Que c'est difficile, la langue française. Vous trouvez pas? C'est difficile, hein? D'abord, c'est illogique. C'est complètement illogique. Par exemple, chienne, c'est le féminin de chien. Eh ben, train, ça n'est pas le féminin de train. Allez comprendre. Et pourtant, si vous dites à un coureur cycliste, t'es à la traîne, il vous répond, je peux pas suivre le train. C'est complètement illogique. C'est comme scène. Scène qui n'est pas le féminin de sein. Et pourtant, maintenant, pour monter sur scène, faut montrer ses seins. Ah, si. Si, si, si. Ah, si. Moi, on me l'a pas encore demandé. Hein. Non, mais je vous préviendrai. Ça peut faire une occasion de revenir. Enfin, on me l'a pas demandé, mais si on me le demandait, qu'est-ce que je répondrais? Je ne suis pas sain? Ils vont me faire une scène. Ah non, c'est difficile, la langue française. Hein. Tenez, essayez d'expliquer ça à un étranger. C'est un marin qui cherche une marraine. Déjà. Bon. Il fait des pieds et des mains. Il se démène. Mais comme il n'a pas de veine, ses efforts seront vains. Et en voilà un qui aura de la haine. Il comprendra rien, votre étranger. Surtout si c'est un étranger du Nord. Du Nord de Vervin. Où il y a de la verveine. Et des frites. Et... Moi, par exemple, je connais une fille. Quand on voit ses cheveux d'ébène, tout le monde fait... Ah oui, mais vous êtes déjà venu, vous. Tout le monde fait... Eh ben... Elle a un port de reine à cause de sa chute de rein. Seulement, elle mange trop de pain, elle grossit. Moi, ça me fait de la peine. Alors je lui dis, si tu veux encore faire du gain, mets une gaine. Oh non, c'est difficile, la langue française. Vous savez, c'est très difficile.